Bonjour, internotatrice et internotateur. Nous retrouvons le clan du Cygne dans Geldenbourg. Je viens de me rendre compte d'une belle bévue que j'ai faite à l'épisode précédent. J'avais envoyé donc une caravane pour vider un site minier, entre autres. Enfin, j'avais fait une planque et un site minier dans lequel j'étais censé récupérer de l'acier. L'acier, je ne l'ai pas pris. C'est magique. Bon, c'était pas très très grave, mais c'est un peu con parce que on trouve plus facilement de l'acier que des. J'ai pris des gravats en granit à la place. C'est bien aussi. Le granit, c'est bien, c'est la roche la plus solide. Mais bon, moi j'ai encore pas mal de métal compacté. Je suis pas dans le drame, mais c'est juste tellement bête. Ah là 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 là. Hop. Allez, on continue ça. Moniteur de signes vitaux, formidable. Je pourrais me faire. J'ai l'énergie géothermique. Tôt ou tard, je serais peut-être content de me faire des prothèses. Ouais, en plus, les prothèses, ça va, c'est en lien avec mon idéologie. Hein. Donc, ce serait pas absurde. J'avais dit, c'est Moussa Razé à qui il manque. Bah je lui ferai, ce sera mon premier avec une prothèse bionique. Il est encore pendant combien de temps? 7,8 jours. Ouais, c'est tellement long. Bon, ici, au moins, j'ai fini mon. Il va être. Voilà. Ok. J'ai fini mon. Comment? Mon carrelage, mon dallage. Je vais me faire d'autres. Je vais en faire deux autres. Tac. Essayer d'optimiser un tout petit peu la place. On se dit, c'est vrai que ça coûte pas très cher. Hein. Si ça coûte que 45. Ah, si ça coûte aussi que 4 composants. Mais des composants, maintenant j'en ai. Toi, je vais te déplacer ici. Comme ça, j'aurai la place d'en mettre un autre. Tu vas pas me faire ça, toi. Avant d'aller pioncer. Tac. Tac. Voilà. Attends, il faut que je fasse gaffe parce que là j'avais mis les croquettes du coup avec la viande OGM que je n'ai plus. Donc. Ah, il faudrait peut-être que j'autorise les semis, moi. Je suis con. Et ma caravane est de retour. Bienvenue, Damnamite, Papillote, Mangazor et Célestine. Alors, il me reste, ouais, j'ai quand même un peu de sous, donc je vais pouvoir me faire du carrelage antibactérien ici. Et si je suis hyper riche, j'en ferai ici. Dans le labo, puisque ça, la propreté, hein, aide, augmente le facteur de recherche. Ouais, j'ai 80, je pourrais aller jusqu'à 110%.
Tiens, il pionce où? Il pionce où? Le père Smarty. Ah, il pionce par terre. C'est pas très très gentil, ça. Smarty, viens là. C'est pas très très gentil. Relation. La sœur de Zmoy. Enchantée. Papillote, tu me ferais pas une petite conversion là, tant que tu y es. Convertir, est-ce que par hasard tu peux faire dans 8 jours sans malus? Alors, où est-ce que j'en suis de mes histoires de conversion à la noix là? Damnamite, t'es à 24%. Allez, papillote. Damnamite. Tac, tac, tac. Arrête de courir. Bim. Oh putain, toujours pas réussi. Nul. Toi, tu me les fais en marbre, hein, j'espère. Faites. Wouhou, on fait la teuf. On fait la teuf. Et on essaie de convertir dans tous les sens. C'est un peu les trois là-dedans quand même, hein. Un petit peu à l'étroit, globalement. Teuf est fini. Changement d'apparence souhaité. Eh bien, enjoy. Tu as une coiffeuse que tu peux utiliser comme tu l'entends, papillote. Peut-être me faire quelques chambres en plus là. Parce qu'en fait là je me suis mis à 3 d'affilée, je pourrais peut-être en faire une autre. J'ai quoi? J'ai plein de calcaire. Tac. Hop. Il m'en faut 1, 2, 3, 4. Je pourrais même en faire une de plus. Ça veut juste dire qu'il faut que je déplace ma porte en marbre et ma porte en granit. Et là, tac, 1, 2, 3, 4. Formidable, tout juste la place. Hop. C'est déjà construit. Je fais des overworld et Eventbrite. Des portes. Mais des, oui, mais des portes Zenu. Bon, c'était nul. Ok. Plutôt là, la porte. Ok. On va faire un sol en un dallage en ardoise. Tac, tac, tac. Un pavement en ardoise pour terminer ici et là. Voilà. Et puis, on va faire du marbre pour le mobilier. Un lit double en marbre. Là, là, là. Avec une table de nuit en marbre. Là, là, là. Une commode en marbre. Là. Là et là. Ici, du coup, tu vas me refaire.
Tac. Dynamite, grande coupeuse d'arbres devant l'éternel. Verra, je vais peut-être faire un autre radiateur ici. Et il faudrait que je fasse. Alors, je fais. Sur l'alimentation neuronale, ça c'est ce que je suis en train de faire. Biosculptage. Les cycles de biosculptage prennent la moitié du temps. Ouais, mais c'est. Ouais, c'est ça. Là, je suis qu'à la moitié du temps. Oh my god. Inversion d'âge. Pourquoi. Traitement d'inversion de l'âge une fois par an dans la capsule. Modification corporelle, oui, d'accord, j'ai compris. Accélérateur de sommeil. Ah, ouais, il faut que je leur mette des accélérateurs de sommeil. Mais pour ça, j'ai besoin de nez de l'acier. Hop, une miner, tac, va miner ça. Va miner ça. Quand tu auras fait ça, ça devrait aller mieux. Tant pis, les hommes zénistes, ils sont pas contents. Et donc, idéologie, accélérateur de sommeil. Alors, qui n'est pas encore de la bonne idéologie. Alors, scorpicon, papillote, mousse rasée, scorpicon, papillote, mousse rasée. Ah tiens, j'ai pas mis de lumière. Et j'ai pas mis de câble. Donc nous disions Scorpicon. Où est-ce qu'il est tombé? Là. Hop. Je souhaite donc que tu me fasses un truc qui me coûte 5. D'un bras. Scorpicon, papillote, papillote, ton lit est là. Ah oui, mais je crois que je dis que c'est comme ça. Tac. Mousse rasée. Ok. Célestine. De ton lit là. Alors je pourrais déjà en mettre là, ça serait du 2 pour 1. Ce serait plus intelligent. C'est mon seul couple. C'est mon seul couple. C'est naze. Un darine qui déchire tout sur les constructions. Chef-d'œuvre, pif, paf, pouf. Du haut de ses 18,81 en construction. Il rocks du poney. Alors, c'est l'occasion de faire la fête. Ouais, vous dormirez demain. Ce soir, c'est la teuf. 94%. Bim. Allez. Allons faire la teuf.
Ah, il faut que je la place. La boule à facettes, en fait, il faut la mettre plutôt en plein milieu. Amusante fête de l'archer. Ah, je peux réformer. Je peux modifier pour faire. Alors, il y a plusieurs trucs au fil de mes parties que j'ai trouvé intéressants. Donc ça, on va pas changer. Bon, alors ça, c'est presque un peu trop cheaté. Donc on va revenir sur du normal. Parce que quand même, c'est pas tout à fait. Dans les trucs sympas, il y a quand même là où c'est acceptable. Parce que quand même, c'est pratique les... Comment? Les prisonniers dont on ne sait pas quoi faire, récupérer les organes, tout ça. Et voilà. Les esclaves sont acceptables, les crânes. La viande dans ce steak détesté, c'est un peu chiant. Bon, enfin, quoi que j'en ai pas trop là. Alors, l'amour physique conjoint seulement. Là, je suis en quoi? Je suis en modéré. Alors, j'ai jamais trop cherché à voir la différence. Ça, c'est quoi? Acte lubrique avec un amant. Acte de désir. Interdiction de lit partagé en dehors du mariage. Donc, ça veut dire quand ils sont juste en couple, en fait, ils peuvent pas, enfin, sans être mariés. Et c'est un peu pénible. Les relations physiques font partie de la vie avec n'importe qui, marié ou non. Voilà. Alors là, ensuite, libre et approuvé, ça c'est pour le polyamour. ça fait quoi? Rémanence de l'amour. Ça c'est pareil. C'est un tout petit peu trop facile. Donc ça donne un style. J'ai un chef, j'ai un guide spirituel, j'ai un spécial. Oui, ça, je m'en suis même pas servi. Hop, ça je vais pas trop en changer. Oh, tiens, je vais m'ajouter des animaux vénérés. Comme j'en ai. Hop, les archistes, ils adorent les dromadaires. Ils kiffent les dromadaires. Et les ânes. Voilà. Les dromadaires et les ânes, c'est le kiff. Voilà, et puis oh, la gestion des. La gestion du reste, c'est un peu chiant. Allez. Donc on va valider ça. La recherche ira un peu moins vite, mais c'est pas très très grave, parce que ça va quand même. Voilà, ce sera plus facile s'il y a des couples pour qu'ils puissent piéter ensemble. Et puis ça me permettra éventuellement de récupérer des organes sans trop de complications. Voilà. Bah tiens, super, encore une intox. Formidable. Drôme psychique. Ouais. Pousse. Hop. Me récolter ça, même si je m'en sers pas beaucoup. Et une autre intox. Tout va bien. Alors, j'ai une quête qui me propose. Vous avez entendu parler d'un ancien complexe que j'ai. Eh ben, on va aller dans le complexe ancien, par exemple. Allons chercher des infos sur. Allez, on va partir. Moussardé. Pourquoi il est HS, Moussardé? De toute façon, il va pas aller balader. Intox alimentaire. Oh, putain, mouvement 9%. Ouais. On va éviter. On va y aller à coup de marteau. Célestine, on a vu qu'elle savait faire. Ce serait quand même bien que j'ai un médecin un peu correct. Alors attends. Est-ce qu'il est médecin un peu correct?
Ardarine, mais Ardarine, il est important. Il est important en tant que constructeur, ouais. Ouais, peut-être quand même l'envoyer. Ardarine. On va peut-être quand même l'envoyer, Ardarine. Tac. C'est pas très très grave pour les constructions. Ardarine, Scorpicon, Célestine. On a vu que ça faisait le taf. Et on va envoyer Benamite. Hop. Avec des plats raffinés simples. Ah oui, il faut mes petits animaux. Si j'ai besoin de transporter du bordel. Tac, les croquettes, plat simple. Hop, des médocs. Tu vas en prendre, mais tu vas aussi prendre de l'herbe médicinale. Non, pas du lait, de l'herbe médicinale. Hop, tu me prends les 4 sacs de couchage, c'est très bien. Et c'est parti. Bim. Mangazor, t'as combien en cuisine? 10,39. Normalement, ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Allons chasser les informations relatives à notre relique. Zone découverte. Sans intérêt. Marty, on sent qu'il est pas très très bien. Intoxication alimentaire. Ah oui, je voulais. J'avais aussi. Qu'est-ce qui me fait de la recherche en boucle là? Chercheur, c'est qui? C'est Zikino. Ouais, mais Zikino, il n'a pas encore. Toshiro, il n'y a aucun des deux qui sont des artistes. Super. Donc, je peux pas. C'est pour ça en fait que j'ai pas le. Je vais pas me faire un changement de rôle. Ils sont arrivés. Changement de rôle, là, je pourrais faire un admirateur de réflexion, c'est spécialiste de recherche, mais pour ça, il faudrait qu'il soit la bonne de la bonne idéologie. Allez, on est parti. On va aller là. Qui sont les gars? Ils sont là. Tac. Non, ce que vous allez commencer par faire, c'est aller m'emmener tous les animaux sur une zone d'attelage devant la porte. Tac. Vous allez ramasser tout ce qui est. Vous pouvez, de même que là, comme ça, si jamais vous vous ennuyez, hop, ça fera un peu de boue. Hop, priorité attachée dromadaire et les ânes. Qu'est-ce qu'ils font? Et pourquoi est-ce qu'il bloque là? Bizarre, trop bizarre. Ouais, je pense que comme ils sont deux à vouloir le faire. N'importe quoi.
de gros bugs quoi. Les sleeping spots pour mobilier, lieu de couchage pour animaux. Un bel échec. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ils sont combien? Je sais pas. Très nombreux. 9, 10, 11, 12, 14, 15, 9. Tac. Tac. Hop. 1, 2, 3, 4. Ah. Ok. Alors, dans ce genre de situation, je sais que ça peut chauffer très vite à l'intérieur, à la limite. On va aller faire le tour de tout ce qu'il y a là. Des fois qu'il y en a un autre. Voilà. Et puis... Ah oui, mais... C'est une connerie, c'est une connerie. Je sens que c'est une connerie. Je vais sauvegarder. Je sens que c'est une connerie. J'ai de l'uranium. Tu te casses. Tu te casses, mais pas à côté. Pas en bas. Voilà. D'accord, donc là, il y a du monde. Hop. Ça, c'est l'ancien instable. Tu vas me le... Ouais, ok. Pourquoi au feu? Oh, je m'en fous. Zone. Retirer de la zone de base. Je m'en fous si ça crame. Ça, par contre, je prends. Là, il va faire chaud là-dedans. Ah oui, 500, 540 degrés. Sors, sors Forest. Ouf. Et ça, du coup, je vais le démolir pour qu'il aille pioncer là où il faut. Des trumbos. Est-ce que j'ai du monde qui est en mesure de les apprivoiser? Non, j'ai personne qui peut les apprivoiser. Bien dommage. Là, il fait combien? Allez, 1000 degrés. Qui dit mieux? Celui-là aussi il a pété. Allez, très bien, tout le monde se tape dessus. Tout va bien. Bim. Hop. Eux, ils crèvent aussi. Ils ont trop chaud. Bim. Alors. Merde, ça a pris feu là. C'est une moins bonne idée. Attends, ce qu'il faudrait, c'est que je récupère
Mes herbes médicinales. C'est Scorpicon qui peut aller. C'est bon, c'est soigné, oui. C'est soigné. Ardarine, tu vas m'ouvrir ça tout de suite. Histoire que là, ça ne crame pas complètement. Hop. Fire. Voilà. Voilà, le feu s'est calmé, il fait plus que 700 degrés, tout va bien. 500 ici. Hop. Allez, une petite intox alimentaire, c'est ça qui est bon. Oui, je suis un peu con, j'ai sac de couchage. Ils auraient quand même pu les utiliser. Hop, 300 degrés. Fournisseur militaire. Très bien. C'est pas papillote, c'est. Zikino, sociabilité 18. Non, c'est Toshiro. Toshiro, quand tu auras fini, tu vas aller causer. Alors, tu veux m'acheter plein de trucs, ça tombe bien, j'ai plein de trucs à te vendre. Médiocre, médiocre, arc composite, médiocre, arc, pilum, revolver, pistolet automatique, médiocre, même un bon revolver, je m'en fous, il y a pompe aussi, peut faire mieux, carabine de survie normale, bof, pistolet mitrailleur bon, ouais. Quand je peux faire des fusils à pompe automatique, franchement. Cocktail Molotov, grenade frag. 49%, c'est bof bof. J'ai plein de tissus. Hop, je vais essayer de faire des trucs un peu mieux que normal. Hop, donne-moi des sous. Bon. Du flake. Je revends. Alors, qu'est-ce que tu as à me vendre? T'as des composants, j'aime bien les composants, j'aime bien les médicaments. Et ensuite, t'as des trucs qui déchirent tout. Mais je vais pas pouvoir tout prendre. Je vais de toute façon pas pouvoir tout prendre. C'est quoi, calcul neuronal? Un plan cérébro qui rada la réflexion. Ça c'est un. Ouais, c'est en. C'est les royalties. Bon, médoc. Casque renforcé en métal normal. Ce qui est normal, je revends. J'ai rien de sensationnel. Ou alors rien de. Le problème, c'est que c'est beaucoup trop cher, tout ça. Allez, ça suffira. Comme ça, je me refais un stock de médoc, et ça, c'est bien. Parce que j'étais quand même pas bien riche en médoc. Il fait combien? Toujours 226 degrés, ça reste un peu chaud, cacao.
Ceci dit, je suis con, je peux passer par en dessous. Revendiquer. Qui est-ce qui peut me faire de la recherche là-dessus? Intellectuel 8,38. Et les autres? Vous allez quand même voir ce qu'il y a là-dedans. Non, pas vous restez. Restez dehors. Restez dehors, les cocos. C'est quoi? Ancien terminal ennemi. Ardarine, tu peux me démolir ça en ultra urgence ou pas? Est-ce que c'est une connerie ou pas? Est-ce que j'ai le temps avant que ça explose ou pas? J'avais pas le temps. Par contre, il est pas blessé, quoi. Viande de bison. Qu'est-ce que je m'en fous d'avoir la viande de bison? Bon, ok. Dynamite, tu me fais un trou là-dedans. S'il te plaît. Et tout le monde sort. Caisse de sécurité, ça, il faut que je l'ouvre. On sort les gens avant de cramer. C'est pas bien de cramer, ça fait mal de cramer. On sort. On reste pas là-dedans, Célestine, couillonne. Qu'il ne fasse trop chaud. Non, c'est un 13 degrés. Voilà. Hop. C'est exactement ce que je voulais faire. C'est bien en fait les trous dans les murs. Scorpicon, tac. Alors, va te soigner d'abord. Ardarine. Tac, tu vas m'ouvrir ça. Zone découverte. Qu'est-ce qui a été découvert? C'est là-dedans. Je m'en fous. Freiner tir pour Onyx. Caravane, oui, ça c'est bon. Je vais repérer. Là-dedans, il fait quelle température? 115 degrés, c'est encore un peu chaud. Dans l'idéal. Alors, toi, tu vas apprendre à te soigner tout seul, mon coco. Ah non, il y a Ardarine qui soigne. Ah oui, Ardarine soigne bien. Te soigne pas tout seul. Alors, de là, le. Tiens, tu vas pas m'éteindre ça, s'il te plaît, coco. Ça, tu vas la maintenir ouverte. Tac, tac. Comme celle-ci ouverte également. Voilà. Mais oui, t'as raison, c'est bien le dromadaire. C'est très très bien d'aller là. Putain, mais qu'ils sont cons. Non, on va pas. On va pas. Allez combattre le feu là où ça crame, bande de boulets. Caravane détectée, je m'en fous. Ok. Donc là-dedans, du coup, ça va normalement faire baisser la température. Mon uranium est intact, c'est formidable. Brûlé, bah ouais, couillon. Oh là là, mais qui sont bien. Premier qui dit que c'est celui qui dit qui est, il a bien raison. Extérieur 21 degrés. Ouais.
Ici, fait combien? Intérieur, 33 degrés. Ça va le faire. Allez, on s'installe là-dedans. Tac. On sera quand même mieux dehors. Tac. 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 Allez. M'installer ça, toi. Un site de chasse comme celle de... Pourquoi? Plus de démence extrême. Tu fais chier. Je t'en foutrais des risques de démence extrême. Non, pas cligner sous. Scorpicon, viens là. Célestine, va t'occuper d'installer ça. Scorpion. Hop. Ne l'affecter à construction. Ah oui, d'accord. Attends, là, supprimer. Ah bah, moi le dernier, quand t'as fini de manger. Voilà, parfait dodo. Et Célestine aussi au dodo. Hein. Voilà, on vomit un petit peu. Elle est trop dans le mal. Damnamite, je te jure. Célestine totalement guérie, formidable. Bon, est-ce qu'on pique, qu'on mâche un truc là? Va bouffer. On n'a pas lieu porte à manger. Non, t'es pas affecté à soins. Ouais, pas une bonne idée ça. Estime, même si t'es nul, hop, non, les machins. Hop. Allez, même pirater ça. Confirmé. On verra ce que ça fait. Un raid. Oula, 36. Pff. Ouh, j'ai peur. Ardarine. Tac, 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 tac. Ça va être terrible. Adieu, morgue. Enchanté de t'avoir connu. Bon, est-ce que j'ai terminé ma quête du coup? Active, saccage, vous entendez. Vous pouvez entrer par effraction pour récupérer le butin à l'intérieur. Mouais. Mouais. Bon. C'était quand même pas ouf. Bon, j'ai récupéré 2-3 trucs, mais. Allez, on entre à la maison. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce que tu me récupères là-dessus? Un peu d'acier, ouh, de l'uranium. Eh ben, on va continuer à récupérer du granit. un sanglier mort. Un
compliqué. Magnifique massue. De l'or, c'est toujours bien. De... Ça, c'est chiant, faut les démonter ensuite. À la mano. Croquette, tac, tac, tac. Allez, on récupère tout. Hop, et on termine par des gravats de granit. Envoyez. Envoyez la sauce. Oh là 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 là. Bien, et ben sur ce. Après cette magnifique victoire sur un grand danger qui me menaçait, je vais arrêter cet épisode-là. J'espère qu'il vous aura plu comme les précédents. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à me laisser un petit nom pour rejoindre l'aventure. J'arrive au bout de mes noms réservés. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la suite. À bientôt. Oh, une caravane prise par une embuscade, ce sera pour le prochain épisode. Des bisous, bisous.